Monsieur le ministre, très heureux d'être là. Merci de votre venue. Ben non, merci à vous. Merci à vous de votre invitation. Bonjour. Merci à tous les deux. Bravo. Un grand merci d'abord à tous d'être venus pour ce moment important pour GCK. À l'heure où l'on parle beaucoup du Made in France, d'innovation technologique et de transition des énergétiques, nous sommes fiers avec Gerlin et tous nos collaborateurs de vous présenter ce nouveau site qui confirme le statut d'acteur industriel en pleine dynamique de GCK. Je pense que vous cochez toutes les cases dont on peut rêver pour aujourd'hui contribuer à la nouvelle révolution industrielle à laquelle je crois, à laquelle nous croyons, qui est celle de la décarbonation de l'industrie française, que je souhaite personnellement voir émerger partout en France et surtout pour tous et pour toutes. Un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu de développement économique, un enjeu de développement des talents. Vous cochez toutes ces cases en étant extrêmement innovant, en étant audacieux. Une expression française qui dit « la chance sourit aux audacieux ». Non, c'est pas la chance qui sourit aux audacieux. C'est le succès. Quand on est audacieux, quand on prend du risque, quand on est prêt à innover, quand on est prêt à projeter des équipes vers l'avant, le succès est bien souvent au rendez-vous et il l'est pour vous. Quand on voit un certain nombre de moteurs rétrofités, ou le bus rétrofité de la région, la dameuse qu'on a vu tout à l'heure démontée, quand on voit ces machines, on se dit mais comment l'hydrogène peut propulser ces machines. Et on se rend compte qu'ici, ben, avec le savoir-faire, avec la recherche et développement, avec vos ingénieurs, ben, vous arrivez effectivement à remettre des machines en route, soit à en remettre, soit faire du neuf. Et donc là, grande félicitations et surtout grand bravo à toute l'équipe GCK.